Il était une fois un roi et une reine qui enfin eurent une très belle petite fille. La joie du roi était tellement grande qu'il fit sonner toutes les cloches du royaume. Le roi et la reine firent quérir trois fées, Flora, Pâquerette et Paprenelle, qu'ils trouvaient dans le pays pour devenir marraines de leur petite princesse, afin que chacune d'elles lui fît un don. Malgré tout, le roi et la reine ne souhaitaient pas la présence d'une sorcière du nom de Maléfique, le jour du baptême. Comme un cœur. Vos majestés, nous les fées dans ce berceau offrons à cette belle enfant chacune un don. Petite princesse, moi je vais te faire don de la beauté. Jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix. Charmante princesse, moi je vais te faire don. Charmante princesse, une quenouille te piquera le doigt. Puisque Maléfique a jeté ce sort sur toi. Mais cependant, tu ne mourras pas. Et voici ce qui se passera. Tu tomberas dans un sommeil profond qui certes sera fort long. Mais je promets qu'au bout de 100 ans, tu seras éveillé par le baiser d'un prince charmant. Après que le sort de Maléfique soit jeté sur la princesse, les trois fées décidèrent d'élever Aurore jusqu'à ses 16 ans. Le jour arriva et les trois fées organisèrent une surprise pour son anniversaire, où ils préparèrent un gâteau et une robe. Pendant ce temps, Aurore devait cueillir des mûres dans le bois, tout en fredonnant un air mélodieux.
Un prince et sa monture se promenaient dans les bois et entendirent une voix mélodieuse. Ils se mirent à sa poursuite en galopant à grande allure, mais ils tombèrent maladroitement dans un point d'eau. Les animaux de la forêt qui accompagnaient la jeune fille empruntèrent les habits du prince pour que Aurore réalise son rêve de rencontrer son prince charmant. Pendant ce temps, le roi Stéphane et le roi Hubert festoyèrent pour le retour de la princesse Aurore. À vous ! À nous ! À eux ! Draguons à ce soir, tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a de l'espoir, nos enfants se marient, nos royaumes aussi, oui, 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 oui. Oui. À nos amoureux, ils ne feront pas un couple malheureux. Oh, laissez-moi vous remettre ça. Il n'y en avait pas. Chouïa. La, la, la. La princesse Aurore arriva au palais et suivit une lumière verte qui l'amena près d'un fuseau où elle se piqua le doigt. Elles s'endormirent et les fées décidèrent de plonger le peuple dans un sommeil profond, sauf le prince Philippe qui était capturé par Maléfique.
Avec l'aide des fées, le prince s'échappa des griffes de Maléfique et galopa en direction du château pour réveiller d'un baiser la princesse endormie pour rompre le sort. Oh, c'est bleu! Thank you.